On soutient l'armée d'Atlantique depuis nombreuses années et on en est ravis parce qu'au fil du temps, on voit bien qu'avec la persévérance du progrès, on sent que les choses bougent et on est très confiant pour l'avenir et on est ravis de soutenir depuis de si nombreuses années. On a espoir d'être rejoint par d'autres collègues. Là-dessus aussi, il y a des choses qui peuvent évoluer. Nous sommes indépendants, mais également, nous sommes tous collègues. Et c'est l'esprit de Système U qui nous permet à chacun de progresser. Et là, c'est l'esprit d'équipe qui permet aussi à chaque joueur de pouvoir progresser. Depuis le début de saison, on a des super matchs de championnat, une équipe qui se bat. Et je pense que cette année, on peut faire encore belles choses. C'est une première mi-temps, c'est très serré, donc le problème c'est qu'on perd beaucoup de ballons, ils prennent beaucoup de rebonds offensifs, et donc ça nous empêche d'être devant au score. Et puis aussi ils font une alternance entre de la zone, une défense de zone et d'un div, et qui nous pose un peu de problèmes, qui nous a posé pas mal de problèmes au début. Là ça, c'était mieux à la fin de la première mi-temps. On est super, super, super déçus parce que même si cette équipe-là, elle est vraiment expérimentée, mais il y avait la place pour passer en fait. Je pense qu'on aurait pu le prendre. Je ne vais pas dire que c'est la fatigue parce que les autres, ils ont le même calendrier que nous. Donc je ne vais pas le mettre sur le compte de la fatigue, plutôt sur notre incapacité de rester concentré pendant 40 minutes. Quoi. On voit que tout n'est pas parfait et on est encore loin de ce qu'on aimerait proposer comme jeu. Mais ce soir, on ne peut pas blâmer les joueurs dans le combat, notamment dans le rebond, qui c'était pour moi la clé du match. Et de battre Nantes dans sa salle, dans le rebond, c'est quand même déjà une performance quand on connaît son secteur intérieur. Je pense que la zone les a beaucoup perturbés. Ça nous a permis à nous aussi de contrôler un peu plus leur jeu rapide. Et voilà, c'est un match un peu guerre de tranchées, mais c'est important de savoir gagner aussi dans des matchs comme ça où les pourcentages sont très faibles, où le jeu est haché. Je vois de plus en plus de spectateurs en jeu. Et ce soir, c'est la bonne nouvelle.